Ola, anga nyingali kumfolo, obitengu, ankramogo, ananga kumbola, ni oyetiri ya jauti, ibitongkulu balikuwe nkukajidala. Ambi afo, dante folimina, anga nyingali folo, bitengu alela, okabe, nyingu doma, arkeoloji sirakan, ni oye tokorlo noyaye. Oh, voilà, ne va faire cadeau en cramoro, biton, koulibali. Oh, ni tu m'as sorti. Oh, c'est que boka, voilà, voilà, le cagné. Oh, nous, nous, quand, obidiani. Oh, il y a don d'ailleurs. Et, courané, il n'y a pas de mingue. Oh, kira, keme, saba, ani kira, tan, saba, nabinima, ba, keme, ani, awa, mukani, nani, nini, mosu. Ola ne ba fe kan ka mo nyin ga muna Qur'ane nye foli ke kira ke masaba ani kira tani saba minga ko china du makoloka o an kra mo tiya jawti solo biton kulubali o ni adon ko bala kase ka fo archeologie nye foli ke minka no e tokor lo no ay o ole nye foli ke minka o ka fo Qur'ane ka nye foli la ni kira kele intemana sigoro tumbena ni ma oko archéologie haute zone à landi mba fe ko do ola kren kren yala ikramin kera kira laban yere noye muhammadu ye awo ale koni amse ka fo ale china klegana o samba kele oye klegana koye do fo do koroko o me otu makele na o archéologie mo ko sera ka nye folke olu do fo no nuka ka otunya pakisa labo ni odoye frauna ka barano ye o ola frauna ka barano kona kira tanye silamya kira krenkrene yala ani akasa abau o kase sukoma kase uka kelekoma o kase ukanye foli yere madaku mbela jelena archeologie fin du mena kodon ka otien landi doni sirakande silamya ka nyefolula o uya iraka fo kira fo mfe china o achira mwa yala nyalele kama o histoire du makobe fendola ni afora bi o chien doni kanoko o ni tokorlondo yawo ya mwa sera ino o ni chien doni galondo o doni kanoko kuju o ola nyinkali eminye ankara mwa tigia bulu o ni kira ba de min chira duguma koloka archeologie mwa ye munde fo ukande o akelen kera tian yo walma archeologie mo ma se ka nye folke kelenka o min sura la ko tian do mba fe ko nyin ngal dikke an gra mo ti yala e bo kan je yana hotep 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 o ma kele dam ba kele jo kele son kele sera kele ambe fuli di kram ko babbe la jele mo kulu kuno ni kran dem bela jele yana bal ma mo so fe fe be kulu kuno nga fuli bu bela jele o mbora ka mengam na jingi sisani jamun na jigi mina aise ka fla fla foka ka be kramo on chika yini ngaliba kramo on chika yini ngaliba ira ka foko eske o ko na binyuma ba fe fe foro na binyuma fon fe foro du ko san fe akira o koni wa eske fui la archéologie mo prevu ira wa kuna na foka ba mama dulo mun kra ko san fe ni o donc eske archéologie sera ka science sera ka tiendo wa amena aise ka dadu la doni oh le fitinim doala ani découverte laban mon kera édition mon bora 2022 juin 2022 oh ambora ko seven fen la jikita amena se ka fla fla foko o tep menale o tep o tep o tep oh ni livre mon ajikini etani ni livre ni sebena Israël Finkel Tainfe ani Nel Asher Siberman ou flabé archéologue baye djien kono et yow diaw re ka archéologue ñam ko ba ko ni ale de israélien Finkelstein Tel Aviv université ba directeur bu mo ñi ci doon wu fin ko ro ko ñi ni ni ma bu ko ro ko ani temelen ko ro le fin ko ro temelé wa ya keto o ñi numa donc mo ko ba do mo ko ma kan re la menen do djien be fe archéologue baye re fanadu Ponel Asher fanabe Belgique
université Bado fana représenté té au tout cas l'archéologie sera quand donc san bidru recherche donc conclusion de kerani nous est publié juin 2022 mais nanda do akono ka ni fo doni otep oh ukoko le grand Israël des rois David et Salomon n'a jamais existé foi archéologue juif livre intitulé bajira ka fo ko ko Israël comme a fora kundu ba kunu to ka mena wa royum ba kunu dawla ni suluman afé oh kamalika ke oh malika ke dugu baye dugu ba kunte jamana ba kunte oh ko were bora yaw di da yaw di adu sukun ire de la kuni yaw di were de sonu mabiku kunte malika ke amalika ke dugu baye oh ko de nouvelles découvertes archéologiques remettent en question l'existence d'un royaume unifié 11e et 10e siècle avant Jésus-Christ provoque l'effondrement d'un pilier important de l'identité juive. Oh. Ko découverte mon kerasisan archéologie siraka. On va rechercher banu bekono. Ko bekana iraka, fo bekana dankari Israël ka dugu bayala. Ka fo ko dugu ba kunu dugu ba kelen kunu. Mu sigira 10e siècle ni 11e siècle la ka kon isanye. Donc ko bokera mu femu nu kana masisa archéologie siraka on ku sinsin no femu ka ko na no sinsin bere be kari ka yow yow re ka identité kari foron ka ira ka fo mo baw kunte tribu baw kunte certains juifs en colère parlent de lecture révisionniste donc ku yow dia do munu diminuer do découverte in kama lu koko ye mo ka conclusion ye munu révisionniste ye mo ye munu dalente dine ko wala obe mo mo nu sonete kira ko ma donc on wolu makandi o kala ko ko toro ko sebe ko sebe ko sebe o tep menale o onara mo fo ko fe wi mo sebe o se ko fe l'Israël biblique tel que le décrivent les cinq premiers livres de la Bible o ko Israël ni fo lo no tugam na Bible ko no comme Bible livre duru fo lo ko no o ainsi que les livres de Josué des juges et de Samuel or kafra Josué fene ka livre ka ani juge takan ani Samuel takan n'a jamais existé ko shimali ka kay iba fo bible a fotogam na koni ko Israël kumbeta et torani le jinunu ya critique rato far le nyonga donc et ka kon isanye ni shikunte amali ka ke fio les découvertes archéologiques menées au Moyen-Orient depuis une cinquantaine d'années ont permis aux savants de se faire une raison kuye sa bidru kono wi recherche fefe ke moyen orient ka afro ko kirabese ka tasigi yoro yoro la ube afro ko yoro yoro ko bisaka ke dugu bay akon baro sulmana kon ya ni dawda ka fanga ko mo manki dadu ko mala bleu kono wala kale to gamina on ka ke de saw sam bidru kono wi dugu kono yoro pe fuye ka ko beke matrasi foye no ho donc o de beka sigelen wa kan 600 ko ni raison ni ka fono u malika ken o ukunte mena le otep o mondale no ko ko l'aventure des patriarches Abraham, Isaac et Jacob relève plus de la saga homérique que du récit historique o ko ni era damne ibadon a kra ko no abe fate Ibrahim wa ya odi ko ko lu fadu Islamo ko lu fadu chrétien ko ko lu fadu ko ka damne Ibrahim Isaac Jacob on ko lu kwa histoire wo lu kwa dofo ka be saga umuriki de saga umuriki nda sera moduna nindo ka dibala tiliala saga umuriki e greku ka zirundi greku ka zirinda ka on parce que ulu kwa ala ukacha ko ji ala ububulu ou quand Jésus ben Allah doit répondre au cours des failles donc saga omoriki bebe orima que du récit historique donc ko zirinda kanedo ko sinon ko korote benete l'exode cet épisode qui compte la libération des hébreux du joug égyptien grâce à Moïse n'est qu'un pur produit mythologique on kala fora fono ko exodi ni o Moussa e kata jawle o bobulu la pharaon na bulu ko i sor fana ye zirinda kandi ko zirinda flama temaka amalika ke donc zirinda dedu otep menali otep on va continuer donc et la conquête de Canaan par Josué le successeur de Moïse n'a jamais eu lieu
ko kanan yere conquête yo parce que kanan bebe yorom mabbi nango nga ba fa bebe Palestine Israël du koulou de mabbi komi ou ya foko Moussa tale yow do mune farawuna na ko tubo juhala ka ko jitke nuye sa kana kana nuyo ka ter promise ka o terinde ko bebe kanan mabbi donc lo bebe bibina Palestine ni Israël ma ko ibaro Moussa Sara ko Moussa ka successeur Josué mou nana nuyo o kanani ko malika ke o makke fana wa malika ke ko galon fi menale o tep que pour les archéologues la Bible commençait à dire vrai quoi archéologue yere ko boulo ko Bible ko meka tien fo d'un point de vue historique ko korof kandoni à partir des chapitres qui évoquent les règnes de David et Salomon nous dak meka se massa Solomonani daudaka do fola yani fuyin ka ban wera ko boulo ko ko tien doni mena sura ko la c'est de leur successeur ani munu nanu ko koni mais voici que les dernières découvertes archéologiques remettent également en cause l'histoire glorieuse de ces deux rois. Qu'on fait un bord archéologique qu'on s'en bidrou et recherche qu'on a. Ou qu'on a l'ouka masaya fatou gamme la koulou ke masa baouye, dougoubati ouye, qu'on a la sikasika do kola. Et donc la monarchie unifiée d'Israël kaira kafoko. Israël kounou dougoubade, djamana bade kounou, mourou de koumba kounou, peuple de kounou. Considéré comme l'âge d'or de la terre promise au wati la wubu tamantama na wati mina ko no tekne fait bora si sans scientifiquement du rolo du koroko ira on nano ira ka foko be ko galoy o tep amenale o ko fawe munda ko une histoire qui continue de jouer un rôle fondamental dans l'imaginaire juif ko do fodi o histoire de mun be yawdio kuna kwa ka koro yawdio ka do foko rola ka koro il va faire zirim bela kale tuka mina donc yow dia contemporain koni depuis la wala la bala kale tuka mina o tep mina le ko dans le livre qui vient de publier Israël Frankenstein donc directeur de l'institut d'archéologie de l'université de Tel Aviv Enel Asher Siberman directeur historique au NM Center for Public Archaeology and Heritage Presentation de Belgique offre une nouvelle perspective entièrement nouvelle de l'histoire de l'antique Israël, susceptible de remettre en question certains piliers de l'identité juive. Donc on ne m'a flan nunca ni livrou ni sebeni, ça bidrou recherche quoi faut flan faire la langue qu'elle livrou mboni. Kobeka si qu'est-ce qu'on a pas du yau yau quoi identité là, nous quoi ukwa bamana kare bena baya ketu ukwa identité la kosebe kosebe koni ka fo buku yere reclamer mo komu ni ulu kunye tribu baude ala kumaru ulu fe ulu de chira bema ulu kunye mo baude iba fo ka fara to kamina ko ho koni recherche ni be ko fere ko odena lu benyo ngiri ni eta otep amina o ko fo yu musa que les deux archéologues ne doutent pas de l'existence du roi David ni de celle de son fils Salomon 970-931 avant Jésus-Christ. Quoi que le goût, si vous avez compté, si vous avez dit là, que Daouda, le roi David, en a dégagé sur le mana, sans que vous ne connaissiez pas le biolo, en disant que vous ne connaissiez pas le biolo, Isaïe, et de ses successeurs, Kafaramounou Dalenouka. Mais ils remettent en question la nature de leur monarchie. Uma fo mo ko no munu makene mo ko be ibaro ko islamiya ndabena kla ka sey abako fe kana wala ko djum islamiya ni dine ton no be taw be mo ganso le tako ke mo ye mun to lui mais ko donc du coup alu keran ou kero no mo muni ote selon eux ces deux rois n'ont jamais gouverné le royaume fabuleux décrit par la bible ko ni archéologue bafla yere bulu nous flashima le kadugu pamara dugu ba kelima iba foko bible ya fotogamina ko kera Israël yekoni iba fo Israël borou lela Israëlien borou lela yodiou borou lela dugu ba de kundo ko nous madle kadugu pamara fi ota paminale comme l'écrivent les auteurs politiquement David et Salomon ne figurent guère que des chefs de clan dans le pouvoir administratif local ko komu a sebenantu gamina mara tasira fe
David no e Dawuda ani Salomon no Solomonay umake foi 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 ye ni chef de clan te en bas fo abamana ngam fotu wala ba fo chef de tribune do ou bien grand chef ou sac munu yere ka fa ko dano yoro fitini ndron la donc yoro kunguruni comme ya fotu kamina dans le pouvoir administratif local s'étendait uniquement sur la région montagneuse qu'il contrôlait donc au conseil yoro tente clou sans faire la numéro do la abu arabu don usigi usigi yoro ka cha an wiyo dio kulu sans faire au cadeau yoko sebe au bangen groupe ni nyamon do don le kundu à savoir Judas qui n'était en aucun cas un état constitué à l'époque donc Judas niya taibaro Judas ou bafoko Israël bunda tanifla ko de far la ñon kan donc kake ou ka etay kake jamana baye ni mo borou la donc ko wati Judas era ko te yoro foy kunte foy kunte no otep menale ko la première monarchie digne de ce nom fut celle des Omeyrides qui émergea dans le royaume du nord à la fin du 10e siècle et au début du 11e siècle et à qui les archéologues attribuent aujourd'hui les puissantes constructions découvertes à Megiddo, à Gezer et à Axor. Ko werebeka wati munu fo no bebe Dawuda ma ani Solomon ma. Wati masaya munu kumbe ko e Omeyrudi. Lu yeda nute ni wanser la. Lu kun sikleno yoro la Palestine ni Israël baron jamana munu do farla ka bo ngona ube do tari jawga choko do san fesa yo do taru jawga choko Palestine o fana ka o fana do fo wara o nimte ni wanser la mais ko Omeyrudi ne kun kelon ka Marrakech n'orient fan fait en 10e siècle ani 11e siècle la ka kon isanye donc archéologue ye ni nana découverte ke on a so jolé on a preuve scientifique font fait so construction bako font fait koni ka damne Israël du do rebe ko Megiddo Gezer and Axor donc ko morodi nena ni bejo wolu bere bulono David bulono ma yalla Solomon bulono ma yalla otep menale autrefois les savants étaient convaincus quels étaient le fait de Salomon comme le suggère la Bible. Foro savant era kun sikile no akasa ko a kitas ro ko Solomon de kun bulono do comme Bible ya fatu kamina. Quant à Judas ce n'est qu'au 8e siècle qu'il montre les signes d'une véritable puissance. Connaît Judas jatem le binobre de Bibina Jérusalem. Au 8e siècle il est là où commencera à kater doué ko ki kun bo koni. Ou quoi, rejoint qu'on a là, après que son riche rival du nord a été terrassé par les invasions assyriennes en 722. Ouratimina, ni Omeyrudin nous connaît, Ouratimina ni Dankarlo, Luka Farala, Assyrien ont fait en 722. Selon Frankenstein et Cyberman, les découvertes archéologiques permettent donc d'affirmer avec certitude aujourd'hui que Judas et Israël n'ont jamais formé une entité politique unie et qu'ils ont entretenu très peu de liens entre eux. Donc, Bibina, ni savant bar, que le bar, Israël fait qu'un stani, ni yodia erdo, kafra, cybermani, fanaka, Bibino kou sira kakatika kakak, la ki kaire re re la koni, ko judani Israël malika, ke du baye, make jamana baye, make urayum ba kelenye, ko malika ke fiu, malika marakenye, on fait fiu, ko fene kofe. Kali jenyo konya, nyana mama temo ni yonche kanya. Sini yonye nyana makoni, liye baku tu ni yonche kosepe. Amenale otep. Les archéologues expliquent cette indifférence mutuelle en révisant l'histoire de l'émergence du peuple israélien. Ko archéologie ou ba a fo, konya e ko jenyo konya konte juda ni Israël ni yonche. Donc, au bout, blaka segnke, yaudia ou gereka mirindi ere kankwa. Ou quand mirindi sana yele ou bo bou yere nye fotu gamina kouke mo bau yu bo bora mo bau la segnbeke ou beka. Si l'exode et la conquête de Canaan n'ont pas eu lieu, d'où viennent les Israélites? Koni Moussa koi make fi. Moussa koi nye reka make fi. Ka bo Egypte kanisi Canaan mo bo Canaan imbe bambi.
o yoro kelen ni ma Israel ni Palestine kelen ma bi kɔni o dugukolo ma ko n'o ma kɛ fifiyewu Israeliyɛnw yɛrɛ bɔra min i ma ya k'u bɔra min u ye jɔnw de do u bɔra yɔrɔ jumɛn na donc o tɛ mena o tɛ amena selon Finkelstein et Siberman, les premiers Israélites étaient faits des autochtones, c'est-à-dire que leur origine était cananéenne. En fait, Frankenstein Blue, Ani Siberman, comme on dit, n'a l'écho, n'a pas le cas Moussa Mata ou Peplou Tchakabo, Égypte, Pharaon Abolo, Canaïs, Canaan, où il y a des Borami, Israéli, où il y a des Borami, Mouné, Israélien, où il y a des quoi, John Ludo. Ou nana jitimine ke sa ko Israelien flo flo nou yere koni jaja kananeya nou do kundu mounou yere nan ou yere ke abi komi aube aketo kuma kono flo akati yere yere ma don kelete kale boboye donc ou yon yon anade ke en plus c'était des pasteurs nomades ils se sont peu en peu sédentarisés sur leur haute terre et en bordure des déserts aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ. En comme romano kundo pasteur ou kundo nomade ou kundo kundo bougé en obeyala yala ou sigi sigi don doni kulu san fero ou la ani tchentche fo fo san fela ou la ka san bakle ni kema fla ka kon isanye otep menale. Or que l'archéologie démontre qu'ils n'ont pas envahi ni détruit les cités cananéennes. En donc archéologie a yira ka fo ou mata kanani mine fi ou ma bo Israel kanani mine fi donc ou ma envahi ou ma na kanani fana détruit ou mata dougou chi ou ma na dougou envahi fi donc archéologie boro kambiko ira qui se sont effondrées l'une après l'autre en l'espace d'un siècle pour des raisons encore obscures. Oh ou kanani masa dougou banu nou kelengelena bejigina surtout nori enfant fe koni donc olu masaya karlu yerema u karla sankeme kono ba mokotaro masaya bina toka mina bibina koni ko utese ko nyefo komi ato olu koni nga masaya karlu bulo donc sinon kafoko musana ka jama kulle nana kana keta o tekniye fi o bi koni utaro femia o masaya kari koni o duwi kari ha Musa kon naka jama kulute Israelien ou nalente fana kanake otep menale ko kanani masaya chile ibaro ni royom chira bena bwa kono kwa donc royom chile qui se sont effondrés l'une après l'autre en l'espace d'un siècle pour les raisons obscures ainsi l'émergence d'Israël fut le résultat et non la cause de l'effondrement de la culture cananéenne donc kanan et royaume chilien si ça non on est dans la boule Israël là on est dans la boule Israël là sinon Israël on a chili pour des Israël on est fier on est dans la boule yaudia culture ben dans la boule là ani couvre ou ça nante mon nom toro boule quoi culture ou là sinon ou non toi fier du chilien né masaya bané né ça bay irait attaquer l'anglais ça qui a naquette nous taru yere jagua créé ku Israélien ola ote paminale. Or la plupart de ceux qui ont constitué les premiers noyaux d'Israël étaient des gens du cru. Or amese ka encore doni abado afara kon ko kanan royaume nu biné sanke na kono koni alors que Israélien yere yani Israélien kananéen yere redu ombo Israélien juere bora kananéen mo munu na de donc olu mou a noyo yere moun ya kisek bora mou mouna ko se de cru bo cru ye mou moun niko ki ba definition sa en faire croire ka mou la dagalouna ka mou trompe ka galon tige mou ye ka kloukor la toro sa di ke ka kinyan yele manjina ka ke galon yon kwa zirinda ka ou donc ou mou koulou moun yere farafra nyon kan ou le nanani Israelien ye otep menale. Or, la population établie dans les terres du Nord se développa plus rapidement grâce à de meilleures conditions, tandis que Juda n'était qu'une région robuste, rupestre et marginalisée. La population clairsemée au
XIe et Xe siècle, Jérusalem, sa capitale, était une modeste bourgade et non le centre spirituel. Ko la population du nord, Kolou développé la et Teliala, bon condition naturelle ou boulet, t'as sur le boulot, c'est le fond Benya, ou Beyir ou Besakain, alors que Judas no bébé Jérusalem Mabi, ou tu es Yoroye, Yoromi Kagele, difficulté Bakum et Yoromina, et du colonial Bakum Tekwa, 10e siècle, 11e siècle là, Jérusalem Yere, on te ko capitale mun difficulté ba de kuma la bourgade be difficulté de ira ko kumbe gela ba de kono ko sino ko centrité mo kumbe ta ala bato rote bi jo bato ro kunte sali ke adoration ro kunte kwa et non le centre spirituel on na kun kra bato bato yisa wo ro kunte kwa ni donc au tep maintenant au tep et non le centre spirituel et militaire d'une monarchie glorieuse on donc fanga maroc unte militairement maroc unte kumate ko fanga demandement ko masaya ko ni glorieuse ka foka dajo wernam. Selon les auteurs, deux entités distinctes ont donc toujours divisé les hauteurs ko ma koromunu kumbe ou bien ntano mena fo tuka mena shia koromunu kumbe imaya donc farali kumbulu ni ronche kwa mou ni ronche farali baere kumbulu ni ronche kwa ima ya wukun beni ya dugu kele mfunte kwa donc wukun te kele mfye fye 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 donc farali kumbulu ni ronche wukun divize le nou kosebe 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 pour la Bible pourquoi plutôt la Bible insiste-t-elle alors tellement sur l'âge d'or de la monarchie unifiée on koumoun la kou Bible beki sinsin akan alibika foko non kou Israël ni tu es jam dugu bade on jamana bade du masa sulmana e mumine mara kateme david e mum mara kateme on ko mun la bible be ki bamba o kané donc au tep mena on pour justifier l'expansion de Juda au 7e siècle qui est devenu un véritable état et dont le roi Josia veut conquérir les terres du nord que la Syrie vient d'abandonner pour que kaira kafoko Israël kun dugu baye jaja au kun fe kata binga ne ke normogo kan ko mena ko farautaka kana nuka gonotike kuma uye kafoko no Israël kun dugu baye mu marla masa sulmana fe mu kun marla dauda fe mu bora Ibrahim bolo mu bora Joseph bolo donc bo pour que kata bimogo kan ko fara ha ko dugu ko mena ko fara Juda kana bebe bi Jerusalem ma en 7e siècle la roi d'Orde kumbe ko Josia Josia ni ale fere nini Josué te kele Josué wu ka zirinda moko do e ko mu e Musa tienta bon Josia ni ye marali ke sanke ma woroni bisabani konoton kata sanke ma woroni konoton la kapon isanyen donc ale kumbe katu ka nori enfant le dugu ko taraki Sirion ku wo yoro abandone wu ku yoro to en kaba bon pour que kata bi moko ka ko justifier on a une histoire bien inventée ça car faut que non masa sulmana kumbe ni kumbe tan ni kumbe tan otep menale c'est prévalent d'un brillant passé ko ale boram mo baudi la sak ale boram mo baudi la assoyant son pouvoir royal en se référant à deux rois mythiques pour que kika fanga toro mo kunga sa ayere ke zirinda masan nu yekoni luka zirinda masan nu sulmana david kale borulla illégitime ainsi ses prétentions et établit un grand royaume unifié akahamina ko kun muye kadugu ka territoire chama mara wala sa ka ira mawula ka fo mte kata biu kwa anana nini zirinda kaunde isa ka fo kono ale bora masa sulmana na ani daudani ibrahim ni luni fauna azirinda kan koro koni ayi to la sa ka na dugudo fara ɲɔgɔn kan o kɛra kɔrɔkɔrɔkɔrɔkɔrɔ kɔsa in na kɔni san kɛmɛ wɔɔrɔ ka kɔn isa ye donc o kɛra kɔsan kɔsa in na donc o tɛ tɛmɛ na côté ko il a également le soutien de Dieu ka fɔla kɔni ko ko ala ka dɛmɛ o b'ale kan kosɛbɛ ko ala kɛlaw k'ale dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ c'est en effet à cette époque que le monothéisme devient véritablement la religion des israélites o wagati de la dɛ ka foko ko ka foko ka bato fin kelen bato o wagati la
Israéliens ka dinna na koy parce que massacre nana kan yere ke no Josia nyi koni kan il faut kale bora solo manani nous nan ta sidon na a chama koni on donc anana isinsion de kansisan ka o dinne kelengelen sigi hon donc yo do yere ka dinne koy dinne kelen bakati a koy boro de la 600 wetep mena oh le pentateque ainsi que les livres concernant la monarchie unifiée de David et Salomon ont été écrits en réalité pour l'essentiel entre le 7e et 6e siècle. Oh, ko ka pentateque et biblu livre d'Orelou. Ainsi que les livres concernant la monarchie unifiée de David et Salomon. Ani livre mu sebena ka ira ka foko Salomon et David et royaume pas d'Orisiki. Ukolo kadu pado resi kake masake baye on ko en réalité o besbena Josia n'était là no be 6e siècle ni 7e siècle ma même si certains épisodes ont vu le jour plus tôt on wal na sur bukuma do ba kono o be foka kwaye bo ibaro ko galunti ko madame nebi on kulu wolola ni romela u bolo katme on u kabere u ye ko yu chachi katme don wolu teka ko baye kwa donc ce qui explique que certaines descriptions dans le premier livre de la Bible correspondent en réalité à l'époque de Josia. Oh, qu'on y ait Bible erreur, qu'on offre une double dire, mon flo ou sebena, Bible qu'on connaît. Oh, bébé pour ma demain, ou Josia enga pour ma connaît, mon ana faut qu'on non, allez bora Moses sur manana, allez bora David là, allez mon ana ni dina kelen ko ou fait un connaît. Ta faut qu'on non, un beka jekan dina enke, oh. Atato binjamana kan aya justifier ka foko no ku bora mo munna ro yom bare kundo ka garuntike kata bi mo ko kando kata o jamana fang mara ko lu faranyo kon kwa otep menali otep yana nga continue ni lecture menda do Josué ina doni mo renna na na 7 fin be krikraw isa garuntike 7 fin be koni anun ko abaram ko a critique rata ko mo renna na be mana kampe do nyona non ni kretion munube kulu kono ani islamé munube nou ka kira mun nabi mando fa re garanti ka sako ala de ale chi ko ala ka de memba ale kan on aba ni ngaw ko joni afa on bemba kedo koni faraon de koni ne chaw de de afa et puis kelay make egypte koui kelay nana ke fo israël de mejido ode ato ibedien scientifique bekatezi taka pampe ou bafou ko israelite ou kle kele mata deporte kabo egypte parce que yoran koume egypte ka marakono wakati do wula donc a kele manake ne chaw ke placera de kata fa ka japana ka hon kanaka ala tigero nyon bulu tila ala kona kata ka bontaro nulu feneta e bulo koji nono koji uye bokoma aljine be kele ou bulu inza wo ka tila kata tigero kala bulu kaka ala mademen kenyare on otep mamete men lecture to uye. Or, les œuvres dites historiques de la Bible, qui décrivent entre autres l'âge d'or d'Israël, ont par la suite constitué les piliers de l'identité juive. Or, ko iba foko biblu me a foto kam na ka kerati. Ka Israël tou a tamantamana koni, a kam maseha tamantamana koni. Donc, ko kun kera sinsin bere baye yaw diyo bolo jufu bolo, kouire ka identité ira koni ka foko no olu mo baudi olu bora kabila baudi la olu ni masa baudi ala kumaru olu de fere ka entaron bena foto kam nensi de suite donc c'est pourquoi une bataille a commencé en Israël autour des recherches de Finkelstein et Cyberman. Oh donc nous ka ni conclusion sans but de rechercher ko fait du ko le fon fe ira moy no ra be kono de nous ka conclusion ko balou de nana voilà 600 yo ou fait. Donc, on a commencé à parler de ça. Alors que Finkelstein irait trop d'Israël. Il y a des erreurs de nous. Ou à Tel Aviv, Institut archéologue, ou pas de nous. Ou directeur, Institut archéologique, directeur, il y a des erreurs de nous. Donc, maintenant, je crois qu'il y a des erreurs de nous. Mais, comment on a un chien, il faut qu'on a un chien d'aquelle qu'il y a des erreurs de nous. Oh, comme toujours, là. Que certains juifs parlent de lecture révisionniste de l'histoire du pays, estiment qu'elle affaiblit la légitimité de l'État d'Israël et accuse l'archéologue de fournir des armes aux Palestiniens. Donc, il y a eu des choses qui sont dans l'intérêt de la Corée. Comme il y a une révision ici, il y a eu
dalente dine kola alube dine kola u mason kira kouma u ben voilà koni olu ka kuma ude oh koni be ka Israel yere ni be Israel to affaibli eta fereya koni on koni bolu fereya Palestine on yoko on olu munu bala Palestine munu be klen ka fo don odo ko bingera olu ka ko ya odo nana siko olu ka koko ka jamana mino ula koni on koni be kolu affaibli o kon oh après la Bible dévoiler les nouvelles révélations de l'archéologie par Israël Frankenstein et Neil Asher Cyberman. Donc, oh, niné ou quoi conclusion baie ou y'a mon fort et dîner quoi est bête comme ça. Juba jubora romino parce qu'il y a mes dîners bas faut y aller à boro l'île là au tep menale. Oh, ou quoi conclusion niné menale au tep. Oh au tep. Oh, amé mon fort kadam balma kamitoué kramonti. Nye kungunia la, nye san bidru e recherche d'eta. Ite manchin don, manchin nan kwa ni dene kiri la mouma dugu uloma. Ka damne Abraham foka jinkana se anfle romena bi. Uya dugu kulu pe uloma. Oh, komi si la mouma sa mokan kako luta la sa wo. Ko, bante se mera, ko mokan kana kako luta la. Oh, kwa fana kila kandadu wo. E recherche mounu kira mokan dugu wolo san fana kila kandadu la. Oh. Bon, il y a beaucoup de bades qui ont été bien cherchés, bas, flani, bessi, le noir, qu'on est archéologue, baouillé. Donc, il y a eu un cafo, Solomonako, Davidiko, Abrahamko, à Begalo, à Juba, Jubora, Moromina, en Odeouka, Josiane, Josiane, qu'on est, mouille profiter, Canan, au royaume Binife, donc, Kaka, Dugusigi, en. Ni anyongo ya udia galo ntikela bau yesa. Kana mwogo kungulo nyangami kalivuru sebe nsebe kudundu. On foko nwose isa ma mwogo kana foko. Isa ere kwenye kiraye. U juzi kwenye kiraye. Bo alo ere fana dondo amena upe kilingile nata. Arkeolojie mungiro upe kilingile naka fui kamfana. Kada mene anuhuna foko na se a isa ma. Hon. Ashi kaburu maye. Ashi kuru maye. Ashi foy maye. Juzi ta amena andado la. Ni kofe na yon wati dosro. Namelo ta kelengele ka klaka nan ta no musa ta fan la kelengele on isa ere ta koni o wo ira ko jujira kom criminel li ba foko ram ma ka criminel to bem ne to gam na ku gengene criminel le kuno am ne ra ka gengi jesus voyage keo asira ka donia ni nubo ro mena kuma ka kuma ni munu fo on ya la kuma ka ni do na sura kuma ka bo ade da o anu barachi kamitu wi amba fali biko au otep ka kalan de fitini chaba manganu. Oh, ni tu es archéologique comme cela qu'a fait une fitine moufo. Oh, quand dame le Solomon là, ça faut qu'on a blabla bilao. Israël du coup, fan bé, fan ou fait, fera qu'on s'y bête, c'est qu'à l'heure, au moins l'orient bé. Y'a pas au miri à fin ou fait, du coup, fin fait là. Oui, au bé fouillot, au bas, en bidou, qu'on a déjà bim sur là. Ou des titres, ni livre, un cabo, à bête, c'est qu'à blanc. En bas, faut aller au tep. Oh, cram, rojouti, koulibali, il faut le noir, faut qu'on rejida là. Nous avons côté ce qu'on y fait quoi mais il te sait qu'à bien y fait quoi il te sait ni rien pour qui bien y fait dans le rang finalement de super beau quoi mais là c'est quoi en balma gros film on be ni alibi ou be filikan on sait qu'à fini mon y fait un beau fort voilà ça ou watli be c'est qu'on nous voilà donc quoi bien y chercher ou bien y trouver tout sinon mon côté quand nous avons y fait ma faut il te sait qu'à y fait ka sebe ndoro kana biya ukan ba sebe ndoro ita kana ma a sebe ndoro tukam tado ka fora ndoro fora kwa au folo no alibi kremo gojoti memu ndoka ni musaka dofeta dofota kon kala je musaka histoire re ta kala je yo kuma mfo kele ne don kwa ubena fon ta kama no bebe egyptima katanye fo bon ni Musa ka do fota amena nanda do Musa tayina dundo mene ni yata archéologiquement scientifiquement ka ko be wala kare be na e ka fo kuno duno ndo ringana do e ka so ke ka dutigia gushika mene e bulo ke ka dudem bege ke sigisa ho kare de dutigi yere besna ka ko be tin kwa ka galuna chiun yi ba be fese fese de ka bonyo kona ko mu yoro do fo dogmatisme e fin do di nay moko soro ka djuguni je bana beje ibe dala sans preuve donc na foré ina droka finino a finino quoi oho ala de aké kuwul la nyokome na ala de aké on e bere ko di chis fly ala de aké on o foro ko bena faraon muma o bena faraon muma koko faraon ye fo
alors que beta Egypte dofo beta kalaje Egypte dofo beta kalaje Israël togo yere beta yala yoron kilen dron la seven ni fon fin kera ibe Israël togo yala yoron kilen peu dron li malal kono biblo korona uye pharaon Egypte pharaon foshin bi woron ko mena fora ko pharaon jumeni bena Musa ma u shite se ku da fina konini do at beko ko pharaon a Musa ni masake do bena Musa ni masake do bena oh boni yo fo mo mi to don o tigi be fili de la quoi donc fanga mo aisi kam ko la ba kala ma don katafe ko galum fingla ne do o tep o folo no alibi.